marche avant la pièce, ou c'est marche arrière. Hein. Donc je fais sur la pièce. Monte la pierre. Voilà. Que les ouvriers qui travaillent sur la voie, hein. Une perceuse pour percer les trous dans les cercages ou pour les traverses là pour empêcher qu'elles fendent. Hein. Donc pour le contrôleur là, qui indique la vitesse, puis je chauffe devant dans la cabine. Donc en téléphonique, puis je les aiguilles pour faire contre la neige et la glace. Outillage pour les aiguilles, pour les entretenir, les graisser et les nettoyer. Là aussi c'est pour avertir, attention. Signaux, et les aiguilles. Les signaux en haut, 1900-1995 chez nous en Alta-Floraine. Après 1930, ce poste qui est sorti, le poste qui est sorti dans les grands pour passage à niveau, pour l'appareil à fermer. Les accroches des cheminots. Il y a 10 watts, où est-ce que le locomotif. La plus grande c'est le 5. Une chez 8. Parce que ça n'avait pas de barrière. Hein. Le 8e. Alors ça c'était 132. Ouais. Il y a une 240. Ça, c'est une machine de rapide, hein, l'express.
cylindre. Et le mécanicien, je raconte, il ouvre la porte et refermait. Ça, c'est le sable. Hein. Le nicotone, on a toujours surveillé qu'il y a de l'eau dans la chaudière jusque-là. La pression de la chaudière, un bas. Il y avait de l'eau dans la cabine là pour arroser. Là, il passait là, sur toute une crue, on ouvrait là le robinet, la manette rouge là. Il le coulait là, comme il se lasse, il fallait ravitailler en charbon. Hein. On travaillait en continu, là, trois fois. Les constructeurs de locomotives, là. Rickenbach, Hartmann, Stella, Adolf Wien. Une petite machine américaine, trois cylindres verticaux, entraînés par des cartons, chauffure au bois. Chauffure au bois. Je connais les riches.